L'Égypte continue son rapprochement avec la Russie. Le maréchal Al-Sissi et le chef de la diplomatie égyptienne se sont rendus à Moscou pour rencontrer leurs homologues russes, ainsi que Vladimir Poutine. L'occasion pour le chef du Kremlin d'afficher son soutien au ministre égyptien de la Défense en vue de la présidentielle, même si ce dernier n'est toujours pas officiellement candidat. Je sais que vous avez pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est une décision très responsable et je vous souhaite en mon nom et celui du peuple russe de réussir. Je tiens à exprimer ma gratitude envers votre pays, en premier lieu pour son soutien économique. Je dois dire que ce format de rencontre 2 plus 2 est très important et très efficace. Cela nous permet d'aborder beaucoup de dossiers prioritaires comme la coopération militaire. Une coopération militaire qui prendrait la forme d'une commande auprès de la Russie d'avions, d'hélicoptères et de systèmes de défense antiaérien pour 2 milliards de dollars, d'après la presse des deux pays. Une commande que l'Arabie Saoudite aurait accepté de financer.